Le problème mathématique à 1 million de dollars. En l'an 2000, le Clay Mathematics Institute a lancé une prime pour 7 grands problèmes mathématiques. Ils sont considérés comme les problèmes non résolus les plus difficiles en mathématiques. Et si vous réussissez à résoudre l'un d'eux, vous empocherez pas moins d'un million de dollars. Et devinez quoi ? À l'heure actuelle, un seul d'entre eux a été résolu. La conjecture de Poincaré. Et c'est cet homme, Grigori Perelman, qui, en 2003, parvient à résoudre ce problème presque 100 ans après son énoncé. Il a alors empoché les 1 million de dollars promis. Et... Ah non, il a tout simplement refusé l'argent du prix et a dit au comité d'aller se faire voir parce qu'il voulait juste qu'on le laisse tranquille. Un peu ronchon, Grigori. Aujourd'hui, il reste 6 problèmes non résolus, dont l'un d'eux est considéré comme l'un des problèmes les plus durs qui n'ait jamais existé. P égale NP. Et si jamais un jour ce problème est résolu, on serait sûrement capable de trouver la solution contre le cancer et de pirater le compte bancaire d'Elon Musk et tout ça en même temps. Autrement dit, vous n'êtes pas prêt de dormir.